Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le Cassibo. On va aller en Afrique, on va faire du vaca et tout. Alors, petite journée aujourd'hui. Je diffuserai que le matin. De 14h à 17h, on sera chez FunFan, approximativement, hein, dans les horaires. Pour la suite et fin de Eldorado, son point and click est mignon. Et je ne reprendrai pas mon antenne l'après-midi. J'ai plein de trucs à faire, personnellement. Entre de la communication, de l'administratif, du ménage, peut-être même de la cuisine. Je t'ai anticipé des plats, histoire d'être plus peinard demain. Ouais, et puis demain jeudi, peut-être demain jeudi, peut-être la journée où je vais plus diffuser du matin au soir. C'est pas exclure. C'est même fort probable quand je réfléchis au niveau de mon agenda. Il y a demain sera plus une grosse journée de jeu de 9h à 20h. Histoire que j'en profite un max. Mode histoire. Ouais, je vais continuer là. L'Afrique. C'est l'Afrique qui vous appelle. Et c'est beau. Oula, mon café au lait, il est encore chaud. J'ai préparé mon café tardivement ce matin. Ah oui, j'avais arrêté à cause de l'orage. Et j'avais du peuple qui me saussait. Sur la rive opposée, je crois. Merde, j'ai pas de munitions. Ouais. Ça commence très très fort. Ça commence très très fort. Ah oui, je m'étais arrêté dans le jeu là, en pleine action. Pourquoi? Parce que... Orage. J'avais de l'orage. J'ai même pas le temps de réparer l'embarcation. Waouh, c'est violent. Je vais te couvrir, t'es prêt? Ça va déchirer! Aïe aïe! Come here, ghetto! Est-ce que je peux faire monter la température sur le quai? Oui.
Vraiment, oui. Il est venu à moi. S'il vient par là, je me tiens prêt. Étrange atmosphère. Mais du coup j'y retourne parce que je vais pouvoir me faire une mission. Je sais qu'il y a une boîte à munitions dans le coin. Voilà. Tu me laisses pas tout seul ici. On doit garder cette position. Bah, je croyais que c'était cette mission-là que j'avais. J'y comprends plus rien. Plus personne, j'ai l'impression. Là-bas, il y avait des munitions, ici, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Il y a une magnifique trousse à pharmacie. Oh, la vue est jolie. La vue est jolie.
débile lui, il a pas vu que j'étais dans son dos. Putain, le gars il avait complètement perdu ma position. Ah, oh le barbecue. Oh, je joue avec le barbecue. Voilà, les côtelettes sont servies. Eh bien. Bon bah mon embarcation qui est là-bas au loin. Hop, là je reprends pied. Donc, il faudrait que je remonte toute l'arrière. Alors, s'il y a bien un truc auquel je m'attendais pas, c'est de me faire sniper alors que je suis plein gaz au niveau du navire. Waouh! Il faut que j'apprenne la rivière d'une autre manière. Et il faut que j'ai des gommes par point de contrôle. C'est pas possible autrement. Alors là... Encore, je serai à basse vitesse. Je peux comprendre de me faire dénommer. Mais à haute vitesse... Le sniper, faut le garder. Hein, il est bon. Même moi, je prétends pas pouvoir faire ça. Hein. Bizarre, je sais pas où est le mec. Je vois quelque chose là-bas, mais c'est loin. Pas de diamant? Ah, je vais faire escale s'il y a du diamant. Merde. Je me demande bien où était le mec qui est parvenu à m'allumer.
Excellent tir. C'est pas possible. J'ai pas compris. J'ai pas compris d'où venait la menace. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel fond. C'est trop bizarre. D'ailleurs, sur la carte, c'est quoi cet endroit? Merde. Il me tire dessus. Ah lui.
Je vois qu'il y a du matos là-bas, alors... Je vais me servir en munitions, hein, ça a toujours pris. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Ah, l'endroit est barricadé. Ok, bon. Ça fait partie du décor. Et ça va où ça? Bureau de poste. Bizarre autant qu'étrange, pourrait-on dire. Évidemment. Le gars, je l'ai repéré, l'arme elle est une merde. Tout va bien. Non, je suis pas entre deux feux, l'assaut est pas possible. De toute façon, ma position est mauvaise. Et je vois pas quel gain j'aurais à piller un bureau de poste. Voilà, c'était pour voir, mais... J'ai pas d'intérêt à mener l'assaut là maintenant. Ouais, j'ai changé de barque, allez, pour rigoler. Bonjour là, Smokette. Comment que ça va? La végétation va pas m'aider. Encore que... Comme quelqu'un qui va aller dormir et toi... Ah merde! Oula, t'es grave décalé. Qui c'est qui m'a abattu joyeusement? Bah moi je vais bien, merci. Comme quelqu'un qui vient de se réveiller. Te répondrai-je. Eh bé. Ah ouais, t'es grave décalé, vous du duo. Bah voilà, j'allais dire, si t'as la chance de pouvoir te décaler un peu que ça pour l'organisme, c'est pas top top. Mais si toi ça te permet de mieux subir les torpeurs de l'été au niveau moiteur, lourdeur, au niveau climat, tant mieux. J'ai fait nuit blanche à regarder mon mec en direct. Ah ouais! Bah ça fait des bons souvenirs, c'est bien. Qui m'a tiré et d'où? J'arrive pas à voir où sont mes assaillants. Les assaillants sont là? Mais non. Ils sont en face. Et le faire sursauter toute la nuit. Oh. Ah mon dieu. Aïe 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 aïe. Oui, oui, t'as été vilaine là. Aïe aïe aïe.
Bah, on dirait que t'auras mis de l'ambiance, il a bien mérité. Oh, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Attends, moi j'ai un sniper. Merde! L'embarcation a failli chavirer. Oh, ça tient presque du miracle que je sois passé. C'est bien parce que j'ai liquidé le sniper de sa vigie. Oui, bois un coup, t'as raison. Merci. Ouais, ouais. Je te donne entièrement raison. Pas que moi qui ai souffert. L'embarcation motorisée également. Bon, retour dans une zone de jungle. Ah, il y a un quai. Donc, il va y avoir du peuple là-bas. Le mec il fume sa clope tranquille. Oh non, le snipe et le flingue qui est coincé. Puis maintenant avec l'inertie du navire, j'ai la branche dans mon... Ah, j'ai dû utiliser deux balles. Ah, ils sont nombreux. Où est-ce qu'il va? Je vais laisser flamber parce que les aléas des armes enrayées. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait partie du suspense. Ah, il y a encore un loustique qui bouge. Je le vois alors que j'ai même pas mis la lunette. Merde, il a du bol. Il a bougé la tête, ça l'a sauvé la vie, le mec. Ah, mais là, j'ai la branche de l'arbre qui m'enquiquine. J'ai l'impression que j'ai rien qui crame. Ah, le mec est mourant, il est encore allongé au sol, mais il y a envie. Je vois un petit incendie, mais pas d'ampleur souhaitée. Qu'est-ce qu'il fait, le mec? Génial! J'ai plus de flingue. Il vient d'éclater. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors j'espère que j'ai trouvé du matos saké là, parce que j'ai trop perdu. J'ai trop perdu. Ils ont une belle bagnole, hein. Ils ont la belle Jeep.
Wouah, le mec, il a réussi à m'abattre avec son 9 mm. Oh, les réflexes de survie. Je les ai mal abattus, les moustiques. Belle scène de guérilla. Bon, bah, je recommence mon assaut. Je vais prendre le risque de m'avancer davantage. Non mais, ouais, je vais dire lâche l'arme. Ah! On va pas se faire un strike. Presque. Et il bouge pas, ça va, tranquille. Son et lumière au fer, les gars, inerte. Ouais, tout va bien. Ils sont débiles. Bien, le gars, il m'a bien allumé depuis la côte. Visiblement, ils sont 4, les loustiques. Visiblement, ils sont 4. Là, ils vont avoir chaud aux fesses. J'ai un mec qui reste pas dans les flammes. Dommage. J'aurais pu faire une balle deux têtes. Ils étaient bien alignés, c'était horrible, mais... Ah, il en reste un quatrième, je sais pas où il est. J'en ai eu 3 sur 4. Il est où le quatrième moustique? Bon, la sauvegarde parce que je suis content, j'ai presque fait un balin mort. Mais... Merci d'avoir ouvert la fenêtre. Ok, on va s'en occuper, je te coupe. Ah, il y a encore deux mecs. Attention, grenade! Tout ça plaît. Sous tes jambes, abouti. Ah, bien. Je vais me la jouer Rambo en m'amusant. Mais non. Oh, le changement de couleur du ciel.
Est-ce que je peux pas m'amuser à foutre le feu au 4x4? Le résultat peut être drôle. Je peux pas passer devant? Merci. Bof. Le terrain est tellement humide que les flammes prennent pas. C'est quand même malheureux. Alors, c'est dingue, j'ai toujours le même mec et c'est toujours l'autre gars qui arrive à m'abattre avec un grand professionnalisme. Donc en fait, le truc de flamme, il faut que je tire par-dessus la baraque. Voilà, comme ça. Et là, je vais les contraindre à changer de position. Ah, je l'ai vu. Merde, je suis trompé de touche. Je me suis levé de ma planque au lieu de balancer une grenade. Oh la vache, comment qu'il a réussi à m'allumer alors que moi-même, dur. Que signifie? Voilà, petite danse de la moelle, t'es. J'ai gagné. Eh ben dis donc.
Pas de diamant? Pas de diamant. Ah, et ma cible est en ville. Ma cible est en ville. Bon, plus de véhicule, hein, puisque j'ai fait péter à la grenade pour zigouiller au moins un mec. Et bon, chaque fois je dis que c'est beau, mais je me lasse pas du décor. Attends, c'est quoi que je vois? Ah, c'est un panneau, d'accord. J'étais en train de me poser des questions. Alors la question est, comment je vais éliminer ma cible dans une zone de cessez-le-feu? Grande question. Grande question. Ouais, il y a un véhicule tout proche. Ma cible est dans cette baraque? Ah ouais. Attends, voir. Comme ça, je serais prêt à me barrer. Vous autres de la PR, vous vous ressemblez? Lâche-moi, mon pote. Ah, c'est lui, monsieur. C'est lui qui a été versé trop près du mur. Passe ton chemin ou c'est moi qui vais te percer. À quoi il ressemble Ouais, je suis un homme d'affaires. Ah merde, il y a deux mecs là. Ah, et ma cible bouge. C'est peut-être une opportunité. Ah bien, on confie le matos. Je crois. Ah, vache. Hop, comme ça. Tu veux te faire planquer? Aïe, on revient, on reste pas encore. J'ai merdé ma cible. Oh le con. La cible est encore en vie.
J'ai merdé mon attentat. Oh merde. Aïe aïe aïe. Incroyable, mais vrai, mais j'ai merdé. Est-ce que je peux bousculer le mec? Non, il est dur, lourd comme un char d'assaut. C'est quoi de bruit? C'est quoi? L'autre, il m'aime pas. Hein. Ou alors? Ah, pas con. Ils m'ont même pas vu! Ils m'ont même pas vu! Je savais même pas que c'était possible que je me fasse pas remarquer. J'ai fait plus fort qu'Hitman. Non. Faire une mission convoi avec les... Je vais revenir dans la ville... pas comme un prince, mais comme monsieur tout le monde, alors que je viens d'assassiner un homme d'affaires. Tranquille. C'est surréaliste. Ah oui, j'ai mes poursuivants. Incroyable, mais vrai. J'avais mes poursuivants. Ah, mortier, l'AR-16. Si je réalise la mission. Hop là. Attends, je vais déjà voir même si je peux pas m'acheter un truc supplémentaire parce que je sais plus où j'en suis dans le la thune en diamant. Surtout les équipements. Les équipements en priorité pour être confort. Et ben voilà, kit large. Je passe de 4 à 5 seringues. Ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Nickel. Il est de retour et j'ai un travail à lui confier. Quelqu'un comme vous doit pouvoir choisir d'autres produits. Mon fournisseur est un peu trop occupé par un concurrent. Vous détruisez le convoi et vous aurez le meilleur équipement disponible ici. Bien, un homme sensé.
Allez, je vais sûrement m'offrir une variante marrante. Comme je vais me débarrasser du convoi, en plus il est tout proche, je vais prendre les mines. Ça, je vais observer la trajectoire du convoi chargé d'armes. Et une petite mine télécommandée et chakalaka boum. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Voilà, qu'on s'amuse un peu. Ah, alors... que je prenne des armes de qualité, moi. Nickel, je suis prêt. Je suis prêt pour la bataille. non, allez, je vais prendre la Jeep militaire avec la mitraillette. On ne sait jamais, ça me permettra d'avoir. Vous êtes chiants avec vos véhicules, les gars. Alors, c'est parti, mon kiki. Et je n'exclus pas une petite chasse au diamant derrière. Enfin, je reste attentif au détecteur de mallette. La petite pastille verte qui peut rapporter l'eau. Allez, je vous attends, bande de clowns. Je crois qu'ils se sont plantés. Elle entend les gémissements, le mec est monté en trombe dans son véhicule et il s'est planté avec. Le gars, il sait même pas conduire. Devant moi. Intéressant. Ah bah voilà, j'ai ça. Oui, viens me voir, mec. Il y a des moments où je me pose des questions sur la portée de mon lance-flamme. C'est con, on peut rien faire d'ici. Ah, tu m'étonnes, il y a juste de la montagne et un énorme rocher qui nous sépare. Attends. Ouais, non, c'est pas ça que je vais pas pouvoir procéder de la sorte. Merde, allons-y alors. Reste à ton poste. Tu veux te faire flanquer? Qu'est-ce qu'il fait comme bazar? Ah le mec.
Voilà, ça finira par exploser, ça va être rigolo. Calme, étrangement. Bon, suivant. Sérieux? Ah non, c'est la Jeep qui a pété. Oh bah sinon, il y a tout qui flambe. Et il est d'où le mec qui m'a... Ah. Oh là 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 là, il y en a du monde. Déjà, il n'y a plus de navire. Est-ce que je peux faire un super lancer de Molotov? Oui. Mais ouais, j'ai lancé dans la route, ça va pas prendre à mon avis. Ça n'a pas pris. Bonjour Yukine. Oui, merci pour le tir à la tête. Bah, sur une cible inerte. J'ai pas de mérite. Ah tiens. Je l'avais pas vu. Là. Ah. Ah bah c'est le convoi... C'est moi ou le convoi est en stress? Il roule vite je trouve. Qu'est-ce que... Ok, je vais me faire cuire au lance-roquette. Wouh! Il me plaît beaucoup ce pont. Par ça, j'espère que tu vas bien, Yukine. Voilà. Oh, c'est Mimi, ça va garer l'embarcation sous le pont. Avec l'inertie, ça va être tout choupinou. Ce que ça fait. Cette scène de guerre est intéressante, vraiment. Ouais, il y a le convoi qui passait en trombe là, que je ferais sauter en dernière étape. Merde alors! Ils m'ont pas vu les gars? C'est fou ça! Personne! Vous êtes sérieux? Elle venait d'où la Jeep de la dernière fois? Sûrement à cause du fait que tu as éliminé celui qui a appelé la Jeep. Ce n'est pas à exclure.
Je te l'accorde, bonne analyse, Yukine, c'est logique, mais. C'est impressionnant. Du coup, je vais faire mumuse avec le convoi, moi. Je vais faire mumuse avec le convoi. Oui, j'allais dire, n'oublie pas que le convoi est arrêté. On va créer un petit accident dans le carrefour avec une petite mine radio commandée. Voilà. Bonjour messieurs dames, est-ce que vous voudrez bien m'aider s'il vous plaît? Attends, je vais aller là-bas. Hop, avec un peu de chance, ils ne me verront pas. Niaf, niaf, niaf. Je m'accroupis et quand le convoi arrive, chiquiliki boum. Bon, faut-il encore que le convoi soit en mouvement? Il l'était, il ne l'est plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Oula, ils sont en difficulté là, il y a un obstacle sur la voie ou quoi? Quoi? Qui c'est qui m'a repéré? Bah. C'est du délire. Comment il a fait pour me voir lui? Je me suis fait repérer. C'est fou. Et le convoi bouge toujours pas. Bah merde alors. Ah, je vais avoir chaud. C'est là où c'est mon incendie qui arrive à neutraliser le convoi en se répandant. Ah bah m'aide alors. Ah ouais. Ah ouais, plus de convoi. Un petit molotov pour relancer l'incendie. Ah, j'ai cru voir bouger un truc. Non. Ah, c'est ici qui m'allume. Oh, salopard. Ah ouais, mission terminée. Mon incendie a détruit le convoi. Oula, j'ai du monde. Merde. Merci. J'ai cru que mes 15 000... Non bah du coup je laisse tomber l'explosif puisque j'ai eu un incendie. C'est fou ça. Bonjour Tota. Bon dans l'ensemble on va bien, merci, j'espère que toi aussi. Moi je pensais avoir le convoi à l'explosif, je l'ai eu à l'incendie dis donc. Bah merde alors. Bon bah tant pis, je vais reprendre mon convoi piégé. Qui a essayé de m'allumer à la roquette. Attends, je sais pas qui c'est qui m'a tiré dessus. Mais le convoi il est. Peut-être abandonner la zone parce que là ça va. Wow! Qu'est-ce qu'il fait? Merde, il m'a battu. C'est... Mon heure est bloquée. Ah oui, merci.
Je sais pas si un jour j'arriverai à programmer une priorité max pour l'horloge et qu'elle se bloque pas. Merci, merci. C'est cool. Ouais, mais l'horloge a vraiment son importance. J'avais expliqué pourquoi pour moi. Il y a eu du temps à faire les clips. Mais où est le mec qui m'a allumé au lance-roquette? C'est fou ça! Ah! Ah, ça vient de là-bas! Vache, le mec il est pas proche! Wow, j'ai chaud! Mais c'est pas lui qui tire les. C'est pas une roquette, c'est un missile. Parce que quand je bougeais, la tête était chercheuse. Donc c'est même pas. C'est des lance-missiles qu'ils ont. Parce qu'une roquette, une fois qu'elle est tirée, elle garde sa trajectoire jusqu'à percuter un objet. Alors qu'un missile, tu pouvais le radio-commander. Et on a vu que le truc a bougé. Ah ouais, le gars il me tire de là-bas. Merde, il me souffle le fait que je meurs. Alors là... Ou alors je fais Nicky Larson, je prends le snipe et je tire sur la tête de la roquette alors qu'elle est en plein vol. Ça se fait. Honnêtement, ça se fait. Enfin, faut que je sélectionne vite mon arme. Voilà. Ah! Elle est bonne. Oh! Ben, y a leur base qui a pété. Ah! Wouh! Je suis là, mec! Viens! Merde! J'allais appuyer sur explosif pour tout faire péter! Non! Il a réussi à m'abattre! Oh, ça aurait été tellement classe! Wouah! Non, non, je peux pas. Autre approche, il faut que je remonte sur le véhicule et que je fasse usage de ma propre tourelle. Parce que c'est lui ou moi. Mesdames et messieurs, le bug de la mort inerte à la tourelle. Je suis mort. Cramponné à... Voilà. Sauf que le jeu, le moteur du jeu ne gère pas la mort et l'animation de s'agripper à une arme. Donc voilà le résultat. C'est beau l'Afrique. Oui, sérieux. Sérieux, sérieux, là je suis mort. Tu vois, je peux pas faire sauvegarder partie. Sauvegarder partie est grisé parce que je suis mort. C'est rigolo. D'une certaine manière. C'est rigolo. Moi j'ai fait péter le véhicule pour le spectacle, mais je suis dans la là je suis dans la merde parce que j'ai tout un commando contre moi et d'ailleurs je me bats avec le véhicule mais... Non, du coup, non ça va pas. Alors, comment me dépêtrer de ce guépier? Oh.
Pas mal. Pas mal, mais ça suffira quand même. Wouh! J'ai presque envie de vous chanter Nicky Larson, Nicky Larson. Ah, les trois mecs qui étaient déterminés. Ah, il y en a pas que trois. Oh. Alors je vais être atroce pour ce dernier. Je vais balancer une molotov dans son secteur. Vu la belle herbe sèche, il va cuire tendrement. Wow. Ce que là, il y a d'ici une allumée de gars. Mais... c'est une blague. Ah oui. Attrape. Merde, mais il y en a encore un autre. C'est pour vrai. Il y a un nid. Oh, il est grand. Oh, il est juste là. Qui l'aurait cru? C'est bon, c'est fini, j'ai gagné la guerre. Vache. Il y en avait du monde. Bibi. Non, je vais peut-être essayer de récupérer 2-3 petites munitions à droite à gauche sur les dépouilles, là, des malheureux. Non, lui, il n'y avait rien, dommage. Côté de l'autre véhicule, il y avait quelque chose, ou... peut-être des molotovs. Enfin, en général, ils ont plutôt des grenades. J'ai rien ramassé sur leurs dépouilles, rien. C'est automatique, hein, faut mettre le pied sur le lustique pour... C'est à partir du 3 qu'il faut volontairement appuyer sur la touche action au pied d'un cadavre pour le fouiller. Mais dans le 2, c'était automatique. Dans le 1 aussi, d'ailleurs, je crois. J'aurais une mission pylône toute proche. Attends, j'ai mal lu la carte. Ok, il faudrait que je tourne là. Droite, puis tout droit. Bon. Si vous le dites. Droite, puis tout droit. Et je vais voir un moment sur ma gauche un pylône électrique. Enfin, une antenne relais. Elle est où l'antenne relais ? Ah, je crois que je la vois. Non. Attends, c'est une antenne. Ah non, c'est un arbre. Merde. Si je commence à confondre les antennes relais et les arbres, je suis mal barré. Ah, il y a mis du diamant. Ah, ma grande surprise. Oh merde. Oh, il y a un sniper. La détonation était celle d'un. Le sniper d'abord, mais je sais pas où il est. Non, je me fais allumer, là, ça va pas. Ah, merde, Oum. Ah, j'ai perdu ma bombe en chemin. Merde, elle est quelque part derrière moi. Je suis un peu nerveux. Pas lui. Ha
Ah merde alors. Je suis à 360 degrés et là il n'y a plus personne. Bizarre, ils bougent plus les gars. Comme si tout était revenu à la normale. C'est surréaliste. Bon, et mon pylône, il est où? Ah, mais je me suis planté. Oh, je me suis planté de route. Bon, l'avantage au moins, c'est que je suis à proximité d'un diamant. Tu m'étonnes que je vois pas de pylône. Oh merde. Eux, par contre, m'ont pas oublié. Ah, je provoque la déforestation. Qui c'est qui arrive à me Mais comment il fait pour me... Je demande un petit feu de brousse là parce que j'y vois plus rien. Ça me dépasse. Il est très fort le gars qui me domine. Ça, c'est rien. Non, c'est du décor. Je comprends pas. Merde, le moteur va cramer. Il va avoir un petit peu chaud le moteur. Je crois que j'ai vu un mec là-bas au loin. Je me suis fait sniper. Wow. Sniper, il est où? Comment il fait? Ah, je suis bluffé par leur dextérité. Ah, j'en ai eu un. J'aime bien la biquette qui passe tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, et le diamant, il est... quelque part dans l'installation. C'est lui qui arrivait à me... C'était quoi son flingue? Il avait un pompe et un 9 mm, ça peut pas être lui. C'est surréaliste.
Bon. À quoi tu joues la biquette? Elle aime bien la tuture. Qu'est-ce que j'entends? Il y a un mec qui agonise. Wow! Wow. Ah oui. Tiens, attrape. Merde, j'ai loupé. Là, c'est mieux. Il est même pas mort. L'autre, il est à côté du navire qui pète, le souffle lui fait rien. Ah, je sais plus ce que je vois. La musique est magnifique. Attends, j'ai entendu une voix. Ah oui. Ah, Bastos a fini Sekiro, bien. Ah, j'ai vu, honnêtement, hein, je vous cache pas que j'ai vu que Bastos avait lancé hier. Mais j'étais rattrapé par la fatigue et je me suis dépêché de faire mes manips d'urgence sur mon ordi et dodo. Mais je sais que j'aurai d'autres occasions de me manifester à Bastos prochainement. Mais c'est bien qu'il est fini, GG à lui. Oh, les belles poteries. J'ai honte. Où est planquée la mallette de diamant? Attends, c'est là où j'ai dit qu'il y a le gars. Ah, parce que je me suis éloigné du... Ah, bord de l'eau peut-être. Par là? Non. Non. Ça commençait à bipper quand j'étais en amont du patelin. La biquette est folle amoureuse de la voiture. C'est dans la formation rocheuse que nous avons le diamant. Je crois que de l'escalade va être nécessaire. Oula, je vais chercher loin là. Et pourtant, je suis tout proche. Attends. Ah, là.
Ah, elle est en contrebas. D'accord. Voilà. Deux diamants trouvés. Je vous laisse, j'ai des courses à faire. Bon jeu, bonne journée, copains, à tout à l'heure. Oui, merci, bonne course à toi, ton retard à plus. Merci d'avoir été là. Pour te donner mon programme, je pense rester connecté jusqu'à 13h. Tout à l'heure, je fais un peu de spin lucky. Parce que de 14 à 17, je serai chez Fun Fan pour l'épisode commenté qui est Eldorado. Mais je diffuserai pas le restant de l'après-midi, j'ai plein de trucs à faire moi-même. Mais bonne course à toi, merci, à plus, Torta. Un peu débile, les mecs. Oh, la pluie arrive. Bon, c'est bien, j'ai gagné un diamant. Ah, la malaria qui fait suer. Du coup, j'ai plus le droit de sauter, comme je suis en malaise, là. Bon, bah je vais me barrer. Bon, faut l'admettre, hein, le gain c'est le diamant. Mais pour ce qui lui reste, bof, bof. Alors, je. Voilà, j'ai sens de l'orientation 0 pointé. D'ailleurs, je vais jouer une autre route en contrebas. Enfin, si je peux, après un saut pareil. C'est pas vrai, j'ai renversé mon véhicule. Allez, pousse. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Merci. Allez. Remets-le en ordre de marche. Visible. Cette scène est surréaliste elle aussi. Merci. Je vais aller en direction du pylône téléphonique pour avoir une mission d'assassinat qui va me rapporter de la thune en diamant. Mais pour ça, il faut que j'arrive sur la route, si je peux. Voilà. Il croit. Là, je suis descendu joyeusement du plateau. Voilà, j'ai plus qu'à aller en face. Faire mon kéké avec le fusil à lunettes, mais j'en ai pas le temps. Faut arrêter la déconnade.
Bah alors, ils arrivent les loustiques ou pas? Oh, oh. Wow. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent de stack cela, mais bon bref. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, j'attire de la cavalcade, mais j'arrive pas à voir d'où. C'est quand même fou! Le mec était au pied de cet arbre. Moi, je continue ma course. Je suis le pylône. Ah. Oh, joli. Ils ont réussi à m'abattre, les salopards. Ou alors c'est pas le mec dans le véhicule qui m'abat mais un sniper, donc il faut que je me barre. Je le trouve drôlement efficace. Oh, 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 j'ai de moins en moins de temps pour l'abattre. Eh oh, doucement. Ça devient impossible là. Voilà. Prochain chargement, pas en mort. Elle a même pas le temps d'avoir un dixième de seconde. Oh, attends, je vais charger une action précédente là parce que ça devient injouable. Bah merde alors. Voilà. Bah, on va passer à Spain Lucky. Voilà. C'était l'action de trop. Ah là là, j'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait une heure de fart.